Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle rencontre du cycle Un livre des collections, cycle qui met en regard l'actualité éditoriale avec les fonds de la Bulac. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Julia Podoroga, docteur en philosophie, HDR en études slaves et enseignante au département d'études slaves de l'Université de Strasbourg, ainsi qu'Anne Madelin, maîtresse de conférences au département Europe de l'INALCO et chercheuse au centre de recherche Europe Eurasie, et par ailleurs toutes deux chercheuses associées au CERSEC, qui se retrouvent ce soir pour échanger autour de l'ouvrage Concept Migrateur, les lettres et les arts russes, espaces de circulation et de métamorphose, récemment paru aux éditions Eurorbem, et dont Yulia Podoroga pardon, est directrice de publication. La discussion sera suivie d'un échange avec le public afin que vous puissiez adresser vos questions aux intervenantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je laisse maintenant la parole à nos invités. Merci beaucoup Héléna, euh, merci beaucoup à la, à la Bulac d'avoir organisé cette, cette présentation et cette discussion. Euh, alors effectivement, il va être question aujourd'hui d'un ouvrage hein, très touffu qui, euh, qui va traiter des, des circulations entre philosophie, art et littérature. Euh, il est euh, le fruit d'un gros travail collectif. Euh, il, euh, il nous propose des approches pluridisciplinaires. On a des contributions d'historiens, de euh, philosophes, de littéraires, d'historiens d'art, de sociologues. Euh, L'ouvrage explore donc toute une série de, de modalités de ces circulations entre entre ce monde des idées, celle des concepts, et le monde des formes, le monde du sensible qui est aussi un monde des idées, alors euh, les arts, euh, littérature, effectivement art visuel, mais aussi théâtre, opéra. Hein. Euh, on est donc dans, dans le domaine euh, russe, hein, dans les espaces de circulation, euh, les arts et lettres russes, euh, de la fin du 18e jusque, euh, finalement à l'époque contemporaine, avec un, un focus quand même sur la fin du 19e et le premier 20e siècle. Avec plusieurs contributions très très intéressantes sur ce moment particulier pour les arts et la littérature en Russie et dans l'espace russophone, euh, notamment autour du, des avant-gardes, du modernisme et où la question du rapport au réel, euh, visible, invisible, est confrontée notamment à l'expérience des guerres et du totalitarisme. Donc voilà, on a ce focus et en même temps cette longue durée. Un espace euh, euh, transnational puisque les circulations sont euh, tout de suite, euh, euh, disons, euh, complexes et avec une dimension euh, transnationale européenne. Donc, euh, <coughs> la philosophie est euh, souvent euh, l'objet de traduction de l'allemand, du, du, du français, de l'anglais et de nombreuses autres langues. Il est question d'auteurs littéraires très connus, évidemment de Pushkin, de Platonov, de Tolstoï, de, de Nabokov, mais aussi d'auteurs peut-être moins connus, hein, et de philosophes que nous connaissons tous, de Descartes à Kant, Bergson, Nietzsche, Schopenhauer, etc. Euh, donc ça brasse énormément de, de thématiques. Mais euh, l'ouvrage est en même temps extrêmement focalisé puisque nous sommes finalement sur la question des savoirs qui se situent dans ce passage, dans ces passages hein, complexes, ces circulations euh, qui sont alors, parfois des, alors, qui passent par la traduction, qui passent par le passage entre les, les arts et le monde dit des idées. Euh, des passages qui sont euh, des acclimatations, acclimatations à un, à un certain euh, contexte euh, national, local, à une certaine époque, à un certain milieu, qui sont aussi des métamorphoses, j'aime beaucoup le nom, d'ailleurs il est dans le titre, hein, on en parlera, des modélisations qui suscitent des débats, euh, euh, et qui sont donc insérés dans euh, voilà dans 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 la vie de, de groupes plus ou moins larges dont il est question dans dans le euh, dans le, le livre. Alors euh, c'est intéressant cette perspective pluridisciplinaire puisque elle explore donc cette question des des transpositions de, de contexte, mais euh, d'une façon, je trouve très originale, hein, et pas seulement euh, le fait qu'effectivement, comme le dit euh, Pierre Bourdieu, les textes euh, ne circulent sans leur contexte. Hein. Donc là, on va euh, dans, enfin voilà, ça prend une dimension très très intéressante. Euh, on s'intéressera en particulier au, au savoir des arts. Hein. Est-ce que le, la littérature pense et euh, est-ce que Qu'est-ce que connaît l'œil, hein, entre autres? Alors, peut-être pour commencer, parce que, effectivement, euh, peut-être tout le monde n'est pas familier avec euh, cette, cette période, ni, ce, ni, ce, ni cet espace intellectuel et culturel. Moi, en particulier, puisque je viens un peu d'un autre univers qui est celui des petites, des petits pays d'Europe centrale et orientale. Euh, la question de... Euh, peut-être comment est né, d'abord comment est né ce, ce projet, euh, son concept général, et donc cette question du rapport euh, entre philosophie et art en Russie qui est euh, sans doute assez particulier, même si on peut retrouver enfin, des points communs en Europe centrale et orientale, notamment le fait que la philosophie paraît souvent comme un, un univers euh, exogène. Hein, et donc se pose la question est-ce que quand nous, nous, nous étudions la philosophie, nous étudions une pensée étrangère qu'il faut traduire, acclimater D'abord, je vais moi aussi remercier les organisateurs de cette, de cette présentation, de cette rencontre. Merci beaucoup à Anne pour, pour d'avoir accepté de participer à cette discussion. Et aussi pour la question justement par laquelle on commence euh, cette présentation. Euh, donc euh, effectivement, quand on parle de Russie et quand on parle de cette de cette période, il y a deux choses, deux questions qui se posent. C'est effectivement le rapport euh, en Russie, en tout cas le rapport assez complexe qu'on. Qu que la philosophie entretienne avec euh, les autres disciplines. En fait, c'est ça qui était au départ mon questionnement, mais qui a commencé avec mon, mon travail sur Bergson. Et Bergson, justement, si bon, il n'est pas spécialement présent dans les articles, dans le. Non, dans la plupart des articles, et peut-être c'est que le mien qui en parle finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de Bergson, comme d'ailleurs partout, en France aussi, évidemment, elle a beaucoup parlé aux, donc, bah, aux, aux artistes. Donc les artistes étaient très sensibles à cette, ce type de philosophie qui n'était pas une philosophie très conceptuelle sur le plan de, quand on peut comparer avec Kant ou Schopenhauer, donc il y avait, donc il y avait question déjà donc, tout à l'heure. finalement, Bexand, c'était quelque, c'était un auteur qui était, qui pouvait circuler beaucoup plus facilement, d'une ère culturelle à une autre, parce qu'il y avait un fond imagé à sa pensée. Donc, il n'y avait pas seulement, cette conceptualité dont on a peur d'habitude, quand on dit qu'on comprend rien et que c'est trop, euh, trop abstrait, dans le cas de Bergson, c'était tout le contraire parce qu'il y avait des images qui ont, voilà, qui, ont, qui ont, euh, ont tout de suite ont été tout de suite appropriées par les, euh, par les auteurs russes. Donc pour moi, le, le projet a commencé par Bergson, tout simplement, et par des travers de traduction aussi qu'il a, qu a subi en Russie. Parce qu'il y a par exemple eu un détournement, ce qu'on appelle finalement quand on quand on traduit pas de façon euh, complètement, disons correcte ou précise, on, on donne un, un mot un, dans une autre langue, un, une autre, un autre, hum, ben une autre sonorité, quelque chose qui, qui fait donc euh, déployer différemment les sens cachés de ce mot. Donc c'était le cas avec la durée de Bergson, notamment, et avec toute la temporalité, la question de la tempo, temporalité, qui a été creusée par les artistes russes de l'époque euh, contemporaine de Bergson. Donc finalement des années euh, 10. Donc le futurisme, les avant-gardes russes, etc. Donc euh, voilà. Donc ça c'est l'idée de transfert. C'est peut-être partie de là. Donc le fait qu'il y a des concepts qui voyagent plus facilement que d'autres. Ce sont des concepts qui effectivement qui sont pas tellement peut-être des concepts et on, se quest on questionne aussi leur nature hein, parce qu'on se demande est-ce que euh, bah, chez Bergson bien sûr il y a des philosophes qui se sont battus pour défendre la conceptualité rigoureuse de sa pensée mais il y en a d'autres qui ont dit que finalement c'est un littéraire hein, donc c'est beaucoup plus un littéraire malgré le fond même, bien sûr de ses problèmes mais son écriture est beaucoup plus, plus littéraire donc son écriture est plus facile souvent, pas, pas tous les textes, mais certains textes plus que d'autres. Et donc, donc voilà, c'est une ouverture vers la littérature. Et donc cette ouverture vers la littérature qui m'a beaucoup intéressée dans les textes littéraires, et ça a commencé par plusieurs recueils, encore une fois, collectifs. Il y a le premier recueil qui date déjà, qui a porté sur le temps dans la littérature française et russe, à la même époque à peu près, donc les années bersoniennes. Donc les années 10-15 du XXe siècle. Et donc c'était, euh, donc c'était plus ou moins circonscrit. Euh, donc parce qu'il y avait Bergson, il y avait quelques concepts, et là en vital quelques images aussi de personnes qui ont été plus ou moins, qui, qui ont eu beaucoup de succès. Et donc ça c'était le point de départ de ce recueil. Et ensuite il y avait, euh, il y avait d'autres recueils, mais qui se sont concentrés en fait toujours sur une sur des concepts présélectionnés quelque part donc il y avait un euh, un groupe donc en fait un, par exemple dans la, un groupe de concepts euh, par exemple euh, dans un euh, donc livre collectif que j'ai co-dirigé il y a quelques années il, il y était question de euh, de l'abstraction de tout ce qui est à l'abstraction et comment l'abstraction euh, de la philosophie euh, vers les arts abstraits et finalement, comment chaque artiste abstrait des avant-gardes russes, que, que vous connaissez sans toute façon, Kandinsky, tout le monde connaît, et Malevich, tout le monde connaît aussi, mais il y avait aussi euh, question de Platon, euh, de pardon, de Filonov, euh, qui est moins connu, mais qui a aussi participé à ce mouvement. Euh, voilà, vers l'abstraction, et qui a eu quelques emprunts de, de, voilà, dans, dans sa pensée artistique et sa façon de représenter aussi euh, ses idées euh, donc philosophiques euh, dans l'art, tra transposer les idées philosophiques dans l'art. Donc voilà, ça c'est vraiment une courte histoire, de cette préhistoire de ce projet. Et finalement, ce qui, ce qui est un peu. Euh, Particulier à ce projet-là, qui peut paraître aussi euh, ce qui peut poser, qui, enfin, on peut évidemment se poser des questions, pourquoi donc il n'y a pas de ligne directrice euh, dans cet ouvrage Parce qu'il n'y a pas de. On ne part pas euh, spécialement de concepts qui sont déjà, donc qui nous intéressent. Donc on ne part pas de la philosophie euh, vers les textes littéraires. On, euh, mais on fait, en fait, on choisit les textes littéraires d'abord, on, on a choisi les, les auteurs quand on a organisé le colloque dont il est issu, ce volume. Donc l'idée était de euh, vraiment de donner un peu carte blanche donc les, les, aux auteurs qui sont chacun spécialistes, ou chacune sont spécialistes dans leur domaine. Donc c'est eux qui choisissaient leur approche, leur façon de travailler, leur façon de s'ouvrir peut-être vers quelque chose comme un niveau méta de leur, de leur recherche. Donc se poser les questions avec quoi ils travaillent, quels sont peut-être des outils qu'ils utilisent pour comprendre les textes littéraires. Et notamment pourquoi dans ces textes littéraires, souvent c'est intéressant aussi de faire des parallèles, de voir comment certaines images en fait proviennent des concepts. Et Finalement, c'est la transformation des concepts en, en, en des images, en images, euh, qui nous a qui nous a intéressés. Donc, je ne veux pas. Euh, oui, peut-être pour la deuxième partie de, de ma question, mais juste avant, à, à, à propos de, de ce que vous avez dit, tout de suite, euh, effectivement le. L'orientation de l'ouvrage, hein, c'est de euh, s'opposer peut-être à une vision qui serait un peu mécaniste euh, des euh, circulations euh, dans un sens de la notion d'influence notamment. Je vais peut-être juste citer une, une phrase de l'introduction qui euh, explique bien ce que vous co-signez avec euh, euh, Luba Jorgensen. C'est la façon de de se positionner donc euh, nous nous proposons de montrer au contraire qu'il s'agit de deux mouvements simultanés Donc, la, ces fameux voyages hein, deux mouvements simultanés qui s'entrechoquent en produisant une nouvelle configuration de sens exprimée tantôt sous la forme d'un concept tantôt sous la forme d'une image Hein. En effet, l'analyse du passage double de la philosophie à la littérature et vice versa, on pourrait dire aussi aux autres arts, hein, pas seulement littérature, notamment le théâtre, permet de pointer spécialement ce que le terme d'influence induit de confusion, puisque les différences irréductibles entre ces deux modes de production du discours rendent inopérante l'idée d'une transmission, qu'elle soit linéaire ou pas, pensée selon un modèle en réseau, d'un concept resté inchangé. Donc, il voilà, n'y a pas de concept qui reste inchangé dans votre histoire de voyage. Euh, oui, tout à fait. Euh, bon, l'idée. Euh était de voir comment les deux mouvements sont possibles simultanément quelque part parce qu'il y a d'une part il y a effectivement les concepts mais on les retrouve dans cet ouvrage là en tout cas on a essayé avec les auteurs qui ont participé à cette cette aventure on a essayé de retrouver ces concepts déjà euh, donc à partir des textes littéraires c'est-à-dire les saisir donc faire sortir sortir des textes littéraires pour aller chercher un peu ces concepts bon ce qu'on pourrait dénommer en tout cas trouver dans ces dans, dans ces textes donc, par exemple, évidemment, euh, les concepts ou un gros, une fois les images Nietzscheens euh, ou euh, même euh, ceux de Kant, mais euh, c'est quelque chose qui n'était pas imposé de, dès le début, euh, comme, euh, comme euh, donc voilà, on partait pas. Euh, euh, on ne partait pas avec quelque chose qui était déjà euh, une commande euh, par rapport à une certaine. Donc, voilà, pour poursuivre un concept, on ne partait pas d'un trajet. Euh, euh, dessinés à l'avance et ces trajets on les définissait au fur et à mesure qu'on rencontrait en fait ces, ces concepts chez, 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 un, chez un auteur. En tout cas ce qu'on pensait était au début peut-être un concept philosophique mais qui finalement subit une transformation dans ces textes à tel point que des fois il en devient inconnaissable. Donc il perd un peu ses, ses racines conceptuelles euh, d'origine pour devenir complètement autre chose. Euh, et et c'est ça en fait cette transformation là, ce qu'on appelle transformation, c'est pour ça que et métamorphose d'ailleurs donc ce mot de métamorphose, euh, c'est aussi pour montrer qu'il y, qu y a ce côté, euh, euh, ce côté imprévisible euh, dans, ce, dans ces mouvements. Et euh, c'est à, à l'auteur donc à le, au chercheur à découvrir ces trajectoires, donc à suivre ces trajectoires. Et évidemment chacun s'est pris avec une avec une donc sa, sa propre sa propre façon de faire et du coup ça a donné évidemment une sorte de foisonnement si on il me semble en tout cas moi je suis peut-être hein, euh, je suis... Donc pas complètement euh, objective là-dessus, mais il me semblait que chaque auteur a, a, a donc réfléchi sur comment il pourrait travailler sur son objet d'étude différemment. Et donc, de, oui. Et donc, il y a quand même une, une composition de l'ouvrage avec euh, des parties euh, chronologico-thématiques. Oui, oui, c'est ça. Non, mais évidemment, il fallait évidemment organiser euh, organiser cette euh, ces contributions. Et il euh, y a une partie qu'on a qu au, qu au moment de la tenue de, du, de du colloque qui était euh, plus visuelle. Donc, on s'était dit que, finalement, visuel, est-ce qu'on peut mettre... Euh, euh, est-ce qu'on peut rapprocher l'art du spectacle ou le, le, la peinture et les, donc les arts visuels avec la, la littérature Ou est-ce que ces deux champs sont complètement différents Donc, c'était donc la question qu'on s'est posée. Et finalement, il me semble que euh, c'était une façon de, de, de peut-être tracer un peu différemment cette, cette trajectoire dans l'art euh, différemment que dans la, que dans les textes littéraires donc ça c'était voulu et c'est vraiment une un autre c'est une autre manière de, aussi de travailler avec ce qu'on appelle donc les concepts philosophiques ou, ou même les concepts tout court hein, pas spécialement philosophiques parce que finalement dans le livre il n'y a pas beaucoup de questions de concepts il y a des concepts qui sont euh, euh, aristocratie c'est un concept plutôt euh, soci sociologique hein. c'est quelque chose qui vient d'un autre champ ou bien même liberté comme, euh, telle qu'elle elle est utilisée par Laurent Thévenon. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui est spécialement abstrait ou philosophique, qui ne découle pas des systèmes philosophiques, disons. Et donc, ce sont des concepts quand même qui sont plutôt déjà ancrés dans une certaine sensibilité ou dans un stère pratique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a quand même un passage vraiment radical d'une abstraction philosophique vers les, les images. Euh, mais donc voilà, et là, pour la, di, 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 les trois parties, l'autre la, partie, donc cette, celle, celle qui, euh, qui est dédiée à la, au visuel, donc à l'art, la, elle, elle porte plutôt hum, sur ce qu'on appelle la, donc la représentation des idées. Mm -hmm. en fait, C'est une grande question, alors je ne suis pas du tout sûre qu'on puisse la poser. Est-ce qu'on peut représenter les idées Est-ce qu'on peut les figurer Est-ce qu'on peut les mettre en scène c'est ça les questions que pose cette, cette partie. Et la première partie euh, donc c'était il euh, y, y, a, y a effectivement la, les, les, ce qu'on appelle l'histoire des idées donc c'est plus des grandes conceptions euh, qui euh, des grandes conceptions du 18 siècle par exemple l'optimisme hein, qui est abordé dans le premier article. Et puis aussi des grandes catégories qui circulent qui sont plus facilement, identifiable euh, et alors qu'encore une autre partie donc la troisième partie euh, il y a plus donc il y a des les auteurs qui, euh, qui, font, qui, ont, qui sont représentés dans cette partie euh, euh, ils travaillent plus ils tra donc c'est un effort d'interprétation qui, euh, qui fait que les concepts sont introduits plutôt comme des outils donc, c'est des outils pour, peut-être qu'ils ne se trouvent pas tels quels dans les textes qu'on étudie, mais ils permettent de faire certains rapprochements entre les textes philosophiques, par exemple, et les textes littéraires, pour mieux mettre en valeur, finalement, cette, cette circulation. Mais qui n'est pas, donc, ce ne, ce, ce ne ce sont pas des concepts qu'on trouve dans les textes. Donc, en fait, on a trouvé des trois grandes catégories, trois grandes rubriques. Qui euh, donc qui nous ont permis quand on a commencé donc après à travailler avec les les, act les actes de ce colloque, nous ont permis de d'organiser le recueil. Oui, C'est coup... peut-être dans la première partie que qu'on peut euh, peut-être euh, le mieux voir cette euh, cette problématique de euh, l'importation de la philosophie occidentale en, en Russie. Euh, voilà puisqu'on on, on a commencé la discussion en se disant qu'il y avait une spécificité russe de ce rapport entre philosophie et les arts. Alors comment est-ce qu'on peut peut-être juste en quelques mots bah, c'est un champ énorme. Est- ce que je veux dire donner quelques directions qui, qui peut nous aider à comprendre en fait cette spécificité. Il bah, y a deux spécificités finalement, c'est quelque chose par laquelle on aurait pu commencer pour dire que y a, euh, la, le sort de la philosophie en Russie a été quelque part malheureux parce qu'il n'y a pas eu vraiment de tradition philosophique russe, donc telle qu'on connaît chez nous, telle qu'on connaît en Occident, telle qu'on connaît des grands rationalistes, donc ce qu'on qu appelle le, le rationalisme à, à, bah, à la française, à la allemande. Donc tout ça n'a pas existé pour pour plusieurs raisons, donc il y a plusieurs explications à ça. Donc déjà euh, euh, du fait de la censure du 19e siècle, la philosophie a été vraiment réprimée euh, et même interdite des fois, donc l'enseignement de philosophie. Euh, était considéré euh, déjà bon après évidemment la révolution française donc ça c'était vraiment début du, euh, du 19e siècle mais euh, c'était donc comme une sorte de source d'entrée de nouvelles idées enfin une en euh, un foyer pour la, 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 le développement l'entrée de ces idées néfastes euh, occidentales qu'on qu voulait combattre et en fait la philosophie c'était effectivement quelque chose qui venait encore de Voltaire et donc qui était considéré très négativement comme une force, une, une critique et donc cette critique là on n'en voulait surtout pas. et Donc peut-être que c'est historiquement c'était ça en partie mais après cette absence de la philosophie a été palliée par autre chose donc en fait il y avait quand même la pensée, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, pas que le champ de, de réflexion a été, on a été étouffé, mais ça passait par la littérature beaucoup, par les discussions dans les journaux, dans les revues, euh, qui étaient donc des échos, des, des réflexions aussi, des commentaires, des, les, des œuvres littéraires réalistes donc du XIXe siècle. Donc ça, c'est une tradition qui existait aussi en France, donc cette espèce de littérature au centrisme au 19 siècle mais ça a été renforcé par le fait qu'il y avait juste pas d'autre manière de s'exprimer que ça. Et finalement ça c'est une première chose qu'il faut qu'il faut dire quand on parle de la culture russe en tant que telle donc elle est philosophique dans ce sens-là dans le sens disciplinaire euh, mais aussi, il euh, y a, donc il y a la littérature, mais il y a aussi la religion qui va venir. Donc il y a aussi un autre front hein, qui va être très, 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 très fort, très, très présent. Et la philosophie euh, va finalement euh, se euh, surgir. Hein. Donc ce qu'on appelle la renaissance russe euh, philosophique de la fin du 19e siècle, euh, début 20e ou l'âge d'argent, un peu plus tard. Donc ça va. Euh, recevoir cette, cette, cette dénomination. Donc, euh, donc, ça va être très lié à la religion. Donc, ça va être vraiment un pôle à part qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier la philosophie de la religion, de se penser de la religion qui va se donc, développer en Russie. Donc, c'est pour ça que la place de la philosophie euh, euh, européenne parce que, quand on a essayé évidemment d'imiter, enfin, on a essayé, de, évidemment, il y avait des cours, de, de, des cours à l'université. À, à un moment donné, il y avait des, à la fin du 19e siècle aussi, et il y avait des philosophes qui ont œuvré pour que la philosophie soit enseignée au, à l'université. Et euh, évidemment, donc, c'est pour ça qu'on lisait, on lisait Hegel, on lisait des, des grands penseurs européens. Euh, mais finalement, ça n'a pas donné du tout de. Euh, donc, ça a, pas, ça a formé les gens, mais ça n'a pas donné de quelque chose d'original qui, voilà, qui pourrait être. Donc, il pourrait, par exemple, donner quelque chose comme un dialogue entre l'Europe de cette époque-là et la Russie. Pour ces, aussi pour ces raisons. Donc, ça, c'est la première spécificité. Et puis, dont euh, vous avez parlé euh, quand vous avez posé cette question, c'est plutôt les avant-gardes. C'est une période qui est euh, une période très, très intense, euh, une période intense de circulation des idées en Russie, vraiment, euh, avec peut-être le, le début du symbolisme russe à la fin du 19e siècle et jusqu'à. Euh, jusqu'aux jusqu euh, années 30, vers la fin, où, le, où il y avait cette, euh, déjà la le, reconnaissance, le voilà, la censure, donc, ce qui s'installe, le stalinisme, en fait, l'avant-garde qui se, se trouve complètement euh, étouffée. Et donc, il n'y a plus rien qui reste. Donc, après, il y a autre chose, évidemment, dans l'ouvrage qui, qui, euh, qui suit cette période de, de circulation très intense. Mais c'est pour ça aussi... Qui a effectivement beaucoup plus de matériaux à la fin du 19e siècle et de sources pour ces circulations, parce que ça circule pas seulement entre disons, la philosophie, l'Europe, les arts, mais aussi donc entre les arts et la littérature, par exemple, en passant par la philosophie. Donc c'est complexe, les circulations sont complexes, c'est extrêmement intéressant aussi de les suivre d'une pratique à l'autre. Donc parmi parmi toutes ces possibilités euh, multiples oui évidemment l'ouvrage oui, l'ouvrage ne traite pas de toute la philosophie russe ni de toute la littérature, mais c'est vrai qu'il y a ces points de focalisation sur certains passages et, et euh, certains auteurs. Et euh, si on prend juste la période un peu avant les, les avant-gardes, tout à l'heure on, on l'a évoqué, euh, le débat autour de l'introduction euh, du terme d'aristocratie, d'aristocrate, et, et donc c'est un article de Vladimir Berelovitch, un, un, qui est historien. Euh, L'article s'intitule euh, le, "Le terme d'aristocrate chez Léon Tolstoï". Les, avata les avatars, les avatars d'un mot. Donc, euh, il, il commence par effectivement certains textes de Tolstoï, et puis il va aussi euh, euh, évoquer d'autres textes. Et ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est euh, la façon dont euh, l'introduction de, de ce terme et d'autres. Euh, un mot de la même famille, en fait, permet de penser la question des, des élites en Russie et la question euh, éventuellement de des, 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 des élites étrangères et euh, de euh, ce qui serait une bonne ou une mauvaise élite. Euh, C'est extrêmement complexe. Euh, parce que le, le terme est introduit avec une, une notion euh, à la fois péjorative et positive, donc euh, un emploi euh, clivé. Euh, et, et donc c'est vraiment dans euh, la réflexion sur l'emploi et savoir est-ce que ce terme euh, est appliqué aux, aux, aux élites étrangères ou aux élites euh, locales que se pense... Euh, euh, différents points de vue sur ce ce qu'elle élite ce qu'elle devrait être parce qu'il est même question de l'aristocratie de l'esprit enfin pour certains auteurs essayer de proposer aussi euh, ce que ce, ce que pourrait être la nouvelle euh, une nouvelle élite donc je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est finalement comment euh, dans le l'usage et les débats autour d'un terme chez des littéraires chez euh, des polémistes on arrive à penser quelque chose, enfin une voilà une, une euh, Comment dire la question de l'émergence d'un groupe social ou bien euh, sa transformation euh, et, et, et Berelovitch en parle enfin, d'une façon extrêmement intéressante donc ça c'est je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus comment oui euh... comment est venue cette proposition par exemple bah, il travaillait justement sur cette question-là et c'était sa recherche en cours sur l'aristocratie la, euh, chez Tolstoï. Donc, sur, euh, il s'intéressait beaucoup. Enfin, il s'intéresse toujours beaucoup euh, à Tolstoï. Mais effectivement, quand euh, euh, juste une chose que peut-être que je pourrais ajouter à ça, c'est qu'il parle beaucoup. Euh, il y a, il y a une optique à la fois donc, de cette réception des termes venus de l'Occident, qui sont de l'aristocratie et la vraie aristocratie nobilaire euh, qui n'existait pas en Russie. Et donc, effectivement, il y a une sorte de euh, volonté de se revendiquer, de devenir aristocrate, alors qu'il n'y avait pas de raison, donc il n'y avait pas cette lignée, etc. Pour, donc il n'y a pas de justification possible. Et c'était une manière aussi de polariser en fait deux points de vue qui étaient très caractéristiques pour, pour la Russie de l'époque, c'est-à-dire les occidentalistes, ceux qui étaient pro-européens et les slavophiles, ceux qui cherchaient au contraire à se distinguer, justement, se faire un recul, enfin, se, se, se séparer de l'Europe trouver quelque chose d'authentique, de, 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 d'authentiquement russe, de national, qui, qui releverait de l'identité russe. Donc en fait, il y avait toute une recherche que je trouve aussi... Euh, que ces deux, deux mouvements, de deux mouvances dans la pensée russe, dans la culture russe, donc les occidentalistes et les slavophiles, se répondent aussi, parce qu'on ne peut pas imaginer l'existence de l'un euh, sans l'existence de l'autre. Et euh, évidemment, peut-être la question de l'identité russe ne se poserait pas de, de façon aussi virulente, aussi lancinante, s'il n'y avait pas cette question de, 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 de la domination occidentale. Donc, s'il y avait quand même. Des... Et donc, dans l'aristocratie, c'est donc ce, qui, ce ce que fait Vladimir Berelovitch, c'est très intéressant parce que d'un point de, dans, du point de vue de l'historien, il y a cette circulation du, du terme ou le mot qui prend différents types, enfin, différentes significations, mais aussi euh, dans la littérature, par exemple, euh, il cite euh, Tourguenieff ou euh, son personnage, donc père et fils, donc le roman de Tourguenieff, ou euh, le personnage qui est donc, euh, disons, euh, un étudiant euh, qui est... Euh, euh, qui vise toute cette aristocratie qui doit tomber, donc qui qui qui, qui est un révolutionnaire, quelqu'un qui donc qui va qui va qui veut qui veut se révolter contre les les pères, donc un des fils qui va donc euh, 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 se poser au père. Donc, c'est, il va donc parler de toutes ces, ces aristocratisations, euh, finalement, qui sont donc une classe populaire, une classe euh, sociale euh, en déclin, bah, qui va tomber finalement, parce que c'est pas, et de, aussi parce que c'était pas de la vraie aristocratie. Donc, il y a deux niveaux de lecture dans cette, 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 cette usage pé péjoratif. Il n'y a pas seulement parce qu'on veut pas d'aristocratie, on va donc euh, donc voilà faire abattre. <laughs> <laughs> Tous les représentants, et c'est donc c'est effectivement un mouvement contre donc euh, populiste aussi le, le populisme russe, euh, donc euh, un mouvement politique. Contre le tsarisme, évidemment, donc dans un système, un régime social, un régime politique très dur. Et euh, d'autre part, donc il y a quand même, donc, il y a cet usage, premier usage qu'on fait de, de, de façon, donc utiliser ce, ce terme d'aristocratie de manière péjorative. Mais d'autre part, on va aussi priver cette aristocratie d une, d une, du vrai aristocratisme, aristocratisme qui, qui donc caractérise l'aristocratie la, occidentale. Donc il y a aussi ça qui, qui, qui se joue dans, cette, dans cet usage. Et d'où vous avez mentionné aussi, c'est très intéressant parce que du coup, on déplace le terme d'aristocratie vers l'aristocratie de l'esprit et qui, elle, vient des slavophiles. Donc cet usage vient des slavophiles euh, parce que les slavophiles, justement, ils, ils prônent, ils défendent cette identité russe. Et l'identité russe qui n'a qui a pas besoin d'être nommée qualifié d'aristocrate parce qu'elle est déjà euh, donc' c est, c est, euh, donc le vrai russe authentique il est déjà aristocrate par son son esprit donc voilà <laughs> c'est Euh, là, on est déjà rentré dans le détail de certains, oui, de ce, euh, de certains articles. Donc, euh, peut-être, on peut effectivement se pencher un peu plus sur cette période de, des avant-gardes euh, et en particulier du, du rapport à la représentation. Alors, on a cité certains peintres tout à l'heure. Oui, on, on peut peut-être mettre des images pour qu'on voilà, on, on visualise mieux <laughs> ouais. cette question. Enfin, les Questionnement qui se pose et, et comment euh, effectivement certaines euh, ouais. interrogations se traduisent en je ici, en forme. Ah. <laughs> ça. Celle d'après. Oui. Je, 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 pas. À voilà. voilà. Alors je ne sais pas si je vais commencer peut-être par parce qu'on a parlé du... de Philanoff, oui. Euh, de Vroubel parce que justement, dans la question. Ah, dans l'article de, de Rosina Nezinski, qui parle de Vroubel, il y a une, voilà, une, une thèse, en tout cas elle essaie d'explorer cette piste. Qui euh, donc Vorobel, c'est un peintre de l'époque symboliste déjà bon naissant en Russie, donc un pré-symboliste des fois on dit parce qu'il n'a pas tout à fait assumé tous les codes du symbolisme, mais il y a quand même cette image symbolique qu'on dit de la couleur parce que la couleur signifie quelque chose à chaque fois. Donc la, la façon d'utiliser les tissus, la façon de se rapporter à la matière dans, dans, la, dans la représentation dans, sur ces tableaux, et effectivement ce tableau-là est assez euh, assez frappant parce que euh, ce qu'on voit donc les lilas euh, donc en fait c'est un portrait d'une fille donc la portrait c'est un portrait donc on voit on voit à peine une jeune fille et autour d'elle c'est une euh, bon les les buissons les de, de lilas qui sont juste derrière, euh, en toile de fond, mais qui prennent en fait toute la place. En fait, quand on regarde le tableau, peut-être ce n'est pas une, la meilleure résolution, mais bon, quand on regarde le, le tableau, donc c est, c est le sujet du tableau, ce n'est pas effectivement le portrait de la fille, mais c'est surtout ce euh, déchaînement un peu de couleur des, de, de le lilas qui est une présence euh, euh, désordonnée et chaotique sur ce tableau. Et donc l'idée de Rosina, c'est de nous dire que finalement l'objet de la représentation, c'est pas euh, bah, c'est pas le euh, c'est pas tout à fait euh, donc la, la fille comme donc c'est pas un portrait d'une jeune fille, mais c'est plutôt euh, quelque chose qui euh, donc euh, renvoie à une force un peu une puissance irrationnelle donc une puissance de l'invisible quelque chose de l'invisible mais qui se fait voir avec celle-là. Et qui finalement la force élémentaire de la nature d'une part, mais d'autre part aussi une autre interprétation, qui, qui est toujours le cas avec les tableaux symbolistes. On est un peu obligé de, de trouver ce que ce que ce que qu'est-ce qu que ça symbolise en plus. Et donc, euh, cette, ce qu'elle appelle, elle, elle fait un rapprochement avec Schopenhauer mm -hmm. et d'ailleurs avec Kant aussi, qui peut paraître assez euh, bah, assez provo provocateur parce que effectivement, comment est-ce qu'on peut parler de Kant euh, en, en, en art ou par les billets, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver chez chez ou chez et en tout cas quel est le rapprochement à faire entre les deux Et ici donc l'idée de 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 la chose en soi, de quelque chose de libre représentable, de quelque chose que là, finalement la la, la, la peinture n'a pas pour vocation de de, de représenter, c'est quelque chose qui se fait voir sur ce, sur ce tableau finalement. Donc, donc le, la, sa façon de travailler, ce qu'on appelle l'ornement ou le décor, devient euh, pas seulement instrumental quand on dit que voilà, on utilise ça pour embellir le, le tableau ou je sais pas où il y a des éléments qui sont voilà pour mon pittoresque. Quoi. Euh, ce ce n'est pas vraiment le cas avec euh, Vroubel et c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il est impressionniste aussi. Donc, c'est pas surtout pas dire que voilà, ce sont des impressions des fleurs qu'il qu qu voilà qui va voir vraiment. Ses... Et puis ça va être un changement de 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 de, de, de la. Euh, de, des lumières par exemple qui, qui, qui voilà qui, qui donne un tel aspect à la chose représentée mais c'est surtout donc c'est vraiment aller tout de suite vers le l'irréprésentable comme le transcendant tout simplement donc quelque chose qui nous qui qui échappe à notre saisie immédiate. Et donc, finalement, il euh, y a des euh, justifications, des arguments qui vont dans ce sens, qui, euh, qui finalement euh, disent que Vroubel, c'est quelqu'un qui alloue beaucoup Kant et Schopenhauer, surtout parce que Schopenhauer avait beaucoup de. Euh, donc beaucoup de succès aussi auprès de, donc il y a eu beaucoup d'engouement pour Schopenhauer à cette époque euh, en Russie, comme ailleurs, comme ailleurs. Et donc, l'idée qu'il y a une force, cette volonté qui régit le monde, mais qui est irrationnelle, et qu'on ne peut pas voir, et que finalement, l'artiste ne travaille pas sur ce qui est visible. En fait, son, son vrai objectif, c'est d'aller au-delà du visible, et de pouvoir représenter autre chose. Et donc, c'est comme ça qu'elle essaie de faire ces deux ce rapprochement qui est compliqué quand même, qui est compliqué à faire, mais qui rejoint quelque part les, la sensibilité de l'époque. Parce que la façon de, de, aussi des symbolistes de travailler, c'est les symbolistes, ce sont, ce sont ceux qui ont commencé à lire beaucoup de philosophie, justement, en Russie. Donc. Oh, puis là, j'ai choisi ça, mais c'est juste... Euh, C'est un peu pour euh, un peu pour la même. Pour la raison un peu, c'est un peu plus différent parce que ici, on peut parler aussi de cette, euh, des idées de Nietzsche et de, donc voilà, de, 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 de la figure du, dé, du démon euh, chez, chez Vroubel. Après, c'est un peu un autre, un autre angle de, de considération, mais voilà, c'est, c'est, c'est aussi un être, une créature un peu qui dépasse l'humain. Donc en fait, c'est aussi cet intérêt pour Nietzsche parce qu'il y a cette idée de surhomme, de surhomme qui commence à pénétrer aussi dans l'imaginaire dans des écrivains, et que finalement, évidemment, il réinterprète, on peut dire que c'est quelque chose qui vient de Nietzsche, mais en même temps, il y a aussi une histoire um, interne, intrinsèque à la littérature russe, qui est liée à les figures de démon, par exemple chaler etc. Donc c'est aussi un, intéressant de voir comment il y a une sorte de croisement qui se produit entre ce qui fait dans la culture ce qui se fait dans la culture, une sorte d'imaginaire culturel russe, avec des, des, des reprises des autres figures qui sont dans la littérature, par exemple, euh, voilà qui sont euh, que tout le monde partage et euh, qui tout le monde connaît en russie et à peine d'autres, de, de, des emprunts, euh, des images, des figures qui viennent de l'extérieur, de l'occident. En, en fait, euh, je lisais dans, enfin, dans plusieurs articles les questions effectivement, des traductions de Nietzsche et des de, euh, discussions autour d'un certain nombre de, de textes de Nietzsche dans, euh, dans la peinture euh, et dans les arts décoratifs. Donc en fait, ces textes, il euh, y, a, y, a y a toute une histoire des traductions de Nietzsche. Enfin, Olga Medvekova en parle un petit peu dans son article sur Léon Basque. Bax, le, le, le peintre, euh, également, enfin, qualifié de, de symboliste, en fait, dans la. Euh, ces textes sont traduits dans des, dans des revues, en fait, hein, et discutés dans des revues d'art. Alors, c'est pas non plus très original, ça se fait aussi en France à l'époque, à Vienne, mais il euh, euh, y a peut-être encore plus la présence de ces philosophes hein, euh, dans, chez les artistes de, de cette époque. Hein. Oui, dans ce texte d'Olga Medvedkova, là c'est l'image que j'ai choisie pour la présentation de donc, justement de Pax et que c'est l'affiche pour, pour la représentation française donc du, euh, de l'après-midi d'un d'infon euh, de Debussy, mais qui donc c'était transformé une adaptation, donc c'était un ballet, donc c'est les ballets russes, c'est la saison, euh, une des saisons, c'est la deuxième saison, je crois, oui. Des ballets russes en France. Et euh, ici, c'est effectivement la transformation de quelque chose qui était euh, déjà donc cette euh, idée de Nietzsche euh, un, que, dans un livre de Nietzsche que tout le monde lut, donc le, La naissance de la tragédie. Donc, c'est en fait c'est ce, ce côté euh, antiquisant aussi qui, qui intéresse beaucoup euh, Baxt. Et qui va revenir, qui vont dans, dans l'article de Medvedkova, il s'agit aussi de ça. Mais elle fait euh, cette transposition euh, intéressante parce que il, il s'agit vraiment de cette inco, ou de, de, de voilà de, de un personnage sur le sol russe et dans le ballet. Donc en fait, c'était c'était aussi osé de pouvoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire avec le corps et la, avec la, le corps et la danse. Comment est-ce qu'on peut travailler sur un texte philosophique et euh, prendre un personnage philosophique donc euh, euh, de, de, de Nietzsche de satire et en fait c'est un personnage qui est ancré ce qui, ce qui est difficile donc ce que montre Olga Medvedkova dans cette représentation ou dans cette réflexion sur ce personnage qui est qui, qui, qui est assez frappant c'est que euh, il' est pas euh, c'est pas un humain, donc pas tout à fait un humain, mais c'est quel... une... un être de... qui, qui, qui ressort un peu, qui appartient à la nature. Et il y a certaines choses qu'il fallait absolument éviter, donc d'humaniser ce personnage, de le, de le rendre, de, le, de lui... Hum donner des traits, euh, des traits euh, donc des, euh, des psych psychologiques, on peut dire peut-être même humains, et tout ça, euh, ça doit être, euh, ça, doit, ça doit être, euh, ça doit figurer donc dans, une, dans, dans ce, ce personnage doit être créé par dans un ballet, et donc tout, cette, tout, cette, tout cet ensemble euh, d'interdits donc par rapport à la présentation de, de, de l'humain. Euh, doit être mise en place. Donc, qu'est-ce qu que est, comment est-ce qu'on peut euh, figurer donc un personnage qui euh, donc n'est pas qui, qui représente quelque part la nature, qui, qui en fait cette production de la nature et de son son esprit encore une fois irrationnel. Donc, c'est encore on est encore dans cette dans cette irrationnel qui vient de la philosophie, mais qui est en fait euh, re, ra, retravaillé par le théâtre, par la danse. Et euh, euh, donc ça c'est ça c'est je pense que c'est un peu la l'objectif qui sont fixés au Bax dans ces dans 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 décor, décors, parce qu'effectivement, lui, il a dessiné le, les costumes aussi. Et euh, il y avait donc toute une réflexion sur les personnages qui ont été créés par la philosophie, mais qui ont été transposés dans des contextes complètement différents. Et que finalement, l'art, donc on croyait que l'art euh, était le mieux, euh, bah, le mieux placé, le mieux... Euh, euh, équipé pour pouvoir euh, en fait, réadapter ces, conce ces conceptions philosophiques ou ces personnages philosophiques qui figuraient que dans la philosophie mais qui finalement étaient transformés <laughs> dans l'art. Alors peut-être mmh. euh, sur Philanoff, et, Philanoff oui. et Bergson. Alors là j'ai choisi... Euh donc en fait, j'ai choisi ce, ce tableau parce que il euh, n'y a pas d'illustration malheureusement dans le livre, mais ça j'ai choisi pour juste pour cette présentation. Um, L'idée de transformation justement, transformation de l'intelligentsia. Donc c'est pas. Euh, um, oh, il y a un petit. Euh, um, donc ça, ça c'est doublement c'est une transformation quelque part double parce que pour Philonophe, qui était euh, qui a mm, qui avait cette position dans les années euh, 10 euh, là bon après ça va être ça va se euh, s'accuser un peu plus c'est-à-dire que euh, donc il y avait cette cette cette, cette idée euh, pré révolutionnaire parce qu'après il va il va quand même adopter quelques codes de de, 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 de cette nouvelle euh, nouvel homme socialiste qui va naître donc euh, après le 1917 donc il va participer à la création de nouveaux de, des de musées en tout cas il va participer à la, à la discussion autour de ce que devait être les musées socialistes, par exemple, euh, communistes, donc, de, 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 de l'Union soviétique, donc, qui se mettaient en place. Mais ici, c'est un peu une préfiguration de ce qui va venir un peu plus tard. Euh, c'est donc euh, la transformation, déjà, euh, euh, de, de ce qu'on appelait la classe, euh, euh, donc, la classe un peu superflue, euh, la classe un peu qui, donc, qui, qui vivait ces derniers, ces derniers jours. Donc, l'intelligentsia. C'est en fait un peu donc péjoratif ici. C'est effectivement l'intelligentsia euh, qui doit perdre ses, ses, ses traits de classe, euh, ses, son appartenance et se transformer en quelque chose d'autre. C'était un peu ça l'idée. En fait, cette image... Il est donc acceptif, euh, couche sociale euh, très particulière qui devait donc pour Philonophe changer et, et, et pour figurer cette transformation donc c'est que c'est donc c'est c'est intéressant de faire de la transformation l'objet de son du tableau qui est par définition statique qui ne peut pas vraiment montrer les transformations dans le temps et que la technique qu'il invente qui peut paraître cubiste et donc visiblement cubiste, qu'on qu soit concubiste, c'est en fait la façon de représenter dans le temps un objet qui se transforme. Ce n'est pas la, la technique spatiale que d'habitude euh, revendiquent les le cubistes, quand on peut voir euh, effectivement un objet de tous les points de vue, de tous les angles, mais ici, c'est un processus. Et le processus, évidemment, comment est-ce qu'on peut le faire C'est qu'il peut euh, euh, montrer euh, par superposition des plans. Et des angles, en fait, des, des ici au milieu, ce qui, ce qui se passe donc avec les pieds, donc et les et les, les bras, donc c'est une sorte de démultiplication de bras et de pieds euh, qui se redoublent, en fait, qui, qui appartiennent plus au personnage. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de mouvement euh, indépendant de ses de ces membres <laughs> qui font qu'il y a il y a quelque chose de dynamique qui se passe. Donc en fait, c'est très intéressant parce que Philonoff, c'était celui qui essayer donc par analogie donc parce qu'on qu connaît de la vie des processus organiques aussi et l'essayer de présenter ça par des des, des des moyens non figuratifs finalement souvent parce qu'il y a des des, 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 euh, des tableaux aussi non figuratifs de phénomènes très abstraits. mais ils essayaient de, 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 de représenter ces transformations qui est propre à la vie donc la vie pour lui c'était un processus dynamique un processus de changement et euh, évidemment, il fallait que l'artiste, l'art, se dote euh, de possibilités, enfin de moyens techniques, euh, pour pouvoir présenter, euh, pour présenter cette, cette, cette transformation. Et donc, elle a fait, donc, elle a fait comme elle a pu. Mais en tout cas, l'idée derrière, c'était ça. Mmh. Il y avait quelque chose déjà qu'il fallait représenter. Donc, euh, oui, donc en fait, euh, euh Enfin, ce que vous expliquez aussi dans l'article, c'est que finalement, il, bien sûr, il y a une inspiration cubiste, mais que c'est pas... Euh, en fait, le dialogue, il est moins avec le cubisme qu'avec euh, la philosophie de Bergson, par exemple, ou euh, toute cette réflexion sur le temps, en fait, oui. et la, la, la transformation. Oui. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans les différents cas, concernant la peinture en tout cas, et les arts, c'est cette... Ces discussions dans des cercles différenciés, en fait, autour de certains auteurs, autour de certaines notions qui irriguent finalement la, la représentation. En tout cas, il y a ce dialogue qui est, est montré. Alors, peut-être sur le dernier cas euh, qui est très différent, enfin, euh, concernant les, les, les arts, donc ce qui est celle de. Euh, une contribution de, euh, de Laurent Thévenot, donc d'un sociologue euh, qui n'est pas un spécialiste de la Russie, mais qui euh, euh, fait une analyse euh, plutôt des interrogations que lui ont procuré un, une représentation du Don Giovanni, mmh. donc par un metteur en scène russe. Peut-être on a les, oui, les images ici. Hein. Et, euh, et donc, euh, quelles interrogations le spectacle pose sur la notion de liberté et les interrogations aussi, ou en tout cas les réflexions du, so du sociologue français travaillant euh, sur, ayant commencé à monter des projets sur, euh, enfin, en Russie avec des, des chercheurs russes, donc euh, revisitant ses propres concepts sociologiques à partir de, euh, de la situation post-communiste en, en Russie oui euh, c'est un une contribution à part parce que déjà bon elle travaille beaucoup sur cette mise en scène contemporaine euh, alors que c'est vrai qu'on a mis dans le dans le titre euh, euh, enfin on, on a mis le 20 siècle mais bon c'est évidemment le 21e déjà euh, bien entamé et, et euh, cette donc cette présentation, euh, cette représentation de la liberté, qu'est-ce qu qu qu'on entend par la liberté Donc c'est aussi intéressant de, de, de suivre en fait la, la conception de la liberté parce qu'en fait on pose la question aussi à notre conception occidentale à partir du théâtre russe de ce que c'est que la liberté et en quoi elle doit consister. Et son idée avec le avec euh, le personnage, donc Don Giovanni, euh, qui, donc, donc de Mozart. Il s'agit d'une mise en scène de, euh, de l'opéra de Mozart. Et euh, euh, le, la figure, le personnage de Don Giovanni euh, est interprété d'une façon euh, par le metteur en scène, justement. Il euh, y, y a aussi la, la, la lecture que, que fait euh, Laurent Thévenon. De cette, de cette mise en scène euh, il fait irruption euh, dans, une, dans un milieu euh, dirigé par un autocrate <laughs> donc, euh, donc le, le père euh, de la famille qui va euh, finalement mourir pour laisser la place à cette liberté donc euh, comme il le dit donc la liberté qui est représentée par don giovanni qui va s'opposer donc à cette, à cette organisation familiale autocratique russe et euh, ce que fait euh, pour un peu pour faire un peu pour aller un peu vite ce que fait Laurent Thévenot, c'est qu'il transpose cette idée donc de, de quelqu'un qui va donc perturber cet ordre euh, un peu euh, qui, donc, au, au russe soviétique donc, donc il y a des, euh, des évidemment, ces allusions à l'Union la, à la, à la, à la, à soviétique, à ces dernières années du, de l'Union soviétique, et que Don Giovanni, qui vient un peu perturber cette, euh, cette structure hiérarchique, euh, il tombe en fait victime finalement de lui-même de cette de liberté promise. Donc, il promet une liberté. Donc, cette, 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 euh, ce dépassement de l'autorité avec la mort finalement du père de la famille. Et puis, ce qu'il fait, ce qui, ce qui se passe à la fin, il n'est pas finalement accepté comme cette figure, cette nouvelle figure qui représente la liberté et qui vient de l'Occident. Donc, cette liberté, parce qu'on a, qu'on a, l'expérience de la liberté qu'a eu, a vécu à la fin de l'Union soviétique, au début des années, donc de la perestroïka, début des années 90, la Russie n'a pas donné, n'a pas finalement, n'a pas euh, euh, rempli ses promesses. Et finalement, la liberté, le concept de ce qu'on voulait, de cette société a finalement affranchie de tout, de, tout, de, tout, de, tout, de tout pouvoir autoritaire, retombe dans une sorte de consommation euh, et de sorte de rapport Absolument consumériste, euh, au, à la, donc la façon d'être libre passe seulement par, ces, euh, par, ce, par, ce, par cette euh, liberté de consommer. Et donc, c'est ça un peu le message en fait, de cette interprétation, que ça a échoué. Donc, cette, cette importation de la liberté occidentale démocratique euh, européenne sur le sol russe. Euh, n'a pas abouti à ce qu'on escomptait, n'a pas n'a pas donné ce qu'on n'a pas, pas voilà, donné euh, donc ce qu ce qu'elle qu promettait finalement, et que les gens se sont euh, euh, sont, ont trouvé une autre figure d'autorité, et notamment là maintenant c'est ce qui se passe en Russie, et finalement tout ce qui y est donc toute la -toute, toute la liberté dont ils disposent, c'est seulement cette liberté économique, donc liberté capitaliste. Donc c'est aussi une façon de voir différemment ces, ces rapports sociaux qui s'installent en Russie à la fin de l'Union soviétique et au début euh, euh, avec le passage vers euh, l'économie du, mar du marché, et finalement voilà. Bah et, le, et le, la, la fin du projet démocratique russe. Oui, dans, ce, dans cet article, en fait, il y a, il y a pas mal de dimensions. Oui, Effectivement, ouais. il, y a, il y a toute cette question de, du message euh, du réalisateur, mais aussi les débats euh, qui, qui, qui qu ont provoqué cette mise en scène. Et, ouais. euh, et également, l'auteur la, euh, voilà, expose aussi sa... Enfin, quel type de projection il est amené lui à, à mettre euh, sur le spectacle, donc c'est voilà, c'est aussi assez complexe comme euh, comme, comme rapport. Alors euh, peut-être pour ouvrir un petit peu la, la discussion et, et euh, montrer ce que voilà la richesse des réflexions qu'il y a autour de ce livre, on a on a évoqué plusieurs fois euh, le rôle des des traducteurs. Alors effectivement. Il s'agit pas du tout d'un panorama, c'est plutôt des voilà des focus sur des auteurs, des situations, de passage, etc. Mais il y a, y a quand même euh, peut-être un, un auteur qui pour moi était très absent, c'est Marx, hein, euh, <laughs> qui a quand même marqué euh, l'univers euh, intellectuel russe de la période. Alors euh, pourquoi est-ce que c'est euh, moins travaillé par les auteurs Est-ce que c'est un peu le non-dit Alors il y a quand même un très beau très beau texte de Lou Jorgensen sur euh, euh, la, la, la littérature des camps et euh, la question du, euh, du réalisme, de, 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 de la pensée mise à mal, la pensée rationnelle mise à mal par l'expérience des camps et par euh, le corps souffrant, n'arrivant plus à penser. Bon, bah, tout, tout cet aspect-là, très travaillé par la littérature russe. Mais alors, voilà, le, le, le marxisme, son passage, ses échos dans l'univers dans intellectuel russe. Euh, Pourquoi il est absent du livre ou qu'est-ce qu'il explique oui. C'est un peu, c'était un peu le parti pris du livre, c'est-à-dire que les auteurs qui qui ont participé au colloque déjà qu'on a pu trouver, qui ont, ont voulu jouer le jeu, bon il n'y avait pas de marxiste visiblement <laughs> parmi euh, parmi eux, bah, en tout cas. Euh, et euh, c'est aussi le fait qu'on qu n'est pas, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, qu'on n'est pas parti euh, peut-être des grands courants euh, de pensée finalement euh, russes ou qui circulaient en Russie. Parce que je pense que si on devait euh, présenter euh, chaque courant de pensée et puis euh, se dire que finalement quelles sont les répercussions de ce courant de pensée dans chaque littérature ou chez les artistes, on aurait, on aurait sans doute retrouvé Marx et euh, les idées socialistes euh, et peut-être même si on remonte un peu dans le 19e siècle euh, bon, il y avait Proudhon, il y avait plus, donc et euh, évidemment qu'on pourrait faire plus l'accent sur les idées socialistes euh, et marxistes un peu plus tard en, en Russie, mais il me semble c'est aussi parce que on avait les auteurs donc tous ceux, tous ceux et celles qui ont voulu travailler sur ce projet, qui font partie de ce projet et qui ont voulu ouvrir leur recherche vers euh, donc le, vers euh, les sciences sociales ou la philosophie ou l'histoire des idées Finalement, il n'y a, a, a pas eu de marxiste parce que chacun a travaillé effectivement sur ses, euh, sur ses propres, dans son champ de recherche euh, habituel mm. et euh, l'effort le, euh, que lui ou elle ont dû faire, c'est plus pour sortir effectivement de leur champ, de trouver ce qu'il y a autour, de comment ça communique avec, euh, avec les textes. Et euh, oui, et euh, malheureusement, <laughs> malheureusement, c'était pas, euh, oui. Euh, bon c'est peut-être euh, ma question est peut-être naïve mais est-ce que ça ne reflète pas non plus euh, des circuits qui étaient peut-être euh, mmh. cloisonnés enfin si on prend la fin du 19e ou mmh. voilà, chez les peintres euh, y a pas de, voilà, la réflexion marxiste n'arrive pas par là elle arrive par d'autres cercles que mmh. ceux qui ont été euh, euh, analysés euh, dans le livre um... Oui, je pense que c'est quand même difficile pour moi de voir, parce que je pense que aussi que le, le marxisme a été quand même beaucoup euh, approprié par les, ou bien il y avait quand même de la pensée marxiste en Russie à cette époque-là, et peut-être aussi ça, ce qui, ce qui a fait que c'était peut-être moins, plus euh, délégué donc vers par les artistes qui ont été moins sens, sensibles à quelque chose qui leur paraissait relever du, un peu du, de la des problèmes sociaux de l'époque, parce qu'il faut aussi peut-être dire comme ça en passant, c'est que la, le grand tournant vers le symbolisme, c'était aussi le... Euh, la séparation avec les, euh, la pensée, euh, disons, ré, euh, bon, la représentation réaliste aussi euh, socialement déterminée dans l'art, par exemple. Donc, donc toutes les, les, les questions sociales ont été écartées. Donc, on a dit qu'on ne voulait plus représenter les, donc parler des misères euh, de l'humanité ou le, la, la condition des serres ou après, après la révélation des serres euh, de, de, du paysan russe et qu'on veut parler de l'art en tant qu'art. Donc, on, fait, on veut de l'art pour l'art. Et que c'était aussi déterminant pour cette époque. Et donc je pense que la place du marxisme a été limitée aussi de, de ce fait-là. Et euh, évidemment, si on parle des, des militants ou militantes un peu plus euh, donc pour euh, révolutionnaires un peu plus peut-être engagés au XXe 20, siècle, on peut trouver des romans ou des récits écrits euh, notamment dans cette euh, cette idée de un peu donc voilà euh, de, 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 de comme, comme par exemple Alexandra et euh, c'est quelqu'un qui a écrit des, des romans mais des romans engagés et donc ça c'est évidemment ici il y a une pensée sociale pensée politique qu'on peut trouver dans le roman qui, 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 euh, qui est très directement liée à l'époque la, à la, à la, à, à et à la situation sociale de l'époque mais je pense que c'est aussi parce que c'était voilà, les, les avant-gardes russes euh, euh, oui, donc c'est peut-être pas pas peut-être chez ces auteurs qu'on a traité dans l'ouvrage. Merci. Alors on peut peut-être commencer un peu à faire circuler euh, le, la parole. Euh, Est-ce qu'il y a des, des remarques, des questions euh, On n'a on pas du tout épuisé hein, ce qu'il y a dans le, dans le volume. Les hein. commentaires <laughs> Euh, bon pour pour euh, le temps que vous <laughs> vous méditiez euh, peut-être pour euh, un petit peu sortir de de l'époque euh, si on voilà si on va un petit peu vers le présent si on reste sur ces questions de des des, des passages entre l'univers russe et l'univers occidental qui est quand même hein, qui qui structure un peu hein, voilà qu'on retrouve en fil dans les contributions euh, est-ce que alors le, le débat il est souvent caricaturé dans le voilà dès qu'on passe dans l'univers médiatique entre euh, russophiles et occidentalistes? Euh, mais euh, si on voit tout ce qui s'est passé après 90 dans, le, 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 dans, le, dans les traductions euh, en russie euh, d'auteurs euh, occidentaux euh, est-ce qu'on euh, est qu peut retrouver par rapport aux auteurs que vous connaissez euh, comment ça s'est passé après 90 voilà cette, cette nouvelle intérêt pour pour euh, euh, la philosophie occidentale est-ce que euh, on peut retrouver des, des similitudes avec ce qui s'est passé dans les années euh, au début du siècle- à la fin des, du 19e, début 20e, ou bien est-ce que ça se présente dans un contexte complètement différent en termes de, 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 de voyage, de concept Oui, merci pour la question. Moi, je pense que ça a été aussi l'objectif, le, le premier objectif, c'était quand même de rattraper le retard. Bon, on peut dire aussi qu'au 19e siècle, il y a toujours eu un retard qu'on <laughs> devait rattraper en Russie par rapport à ce qui se passait en Europe. L'Occident au sens large. Donc, c'était pareil pour les 70 ans de, du, du rideau de fer. C'est-à-dire qu'il fallait absolument se mettre à la page avec ce qui, ce, ce qui, se, ce qui, se, ce qui se passait en Occident. Et je pense qu'il fallait euh, cette, euh, ce rattrapage, cette manière de, de rattraper, elle était évidemment chaotique parce qu'il y avait tout de suite un déferlement de traduction. Et euh, tout le monde traduisait très vite aussi. Bah, il faut dire qu'il y avait une demande. Il y avait une demande telle que finalement, euh, euh, bon, on n'arrivait pas à lire tout ce qui était en train d'arriver de, 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 sur les, sur les, euh, dans les librairies euh, russes qu'on pouvait acheter. Donc, euh, et donc tous ces auteurs-là, effectivement, c'est juste euh, bah, le, tous les auteurs qui ont été, qui ont été réédités, qui étaient euh, interdits déjà. Mais ce qui se passait, par exemple, avec la philosophie, c'est tout simplement toute la pensée bourgeoise qu'on qu qu qualifiait de bourgeoise et, la, et les revenus. Et euh, finalement, là, je pense que le, le temps de digérer tout ça, donc ça a mis quand même. Euh, ça a mis du temps, et surtout la réadaptation de la langue euh, scientifique, par exemple, ça, ça, ça a dû aussi euh, jouer, parce que comme vous avez dit, donc la traduction, euh, c'est pas seulement juste la traduction, mais c'est l'invention d'un nouveau langage, hein, parce que le langage scientifique, il était très, euh, très, 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 très particulier. Donc il y avait une sorte de... Ouais. Donc ça a, ouais, ça a été quand même assez différent selon les, les disciplines ouais. euh, mais euh, c'est vrai que là il est question dans plusieurs articles des de, de modalités de traduction qui sont souvent des adaptations ouais. euh, enfin donc euh, au début du fin du 19e début du 20e siècle avec euh, voilà des fois des approximations mais aussi des fois simplement le le besoin d'acclimater aux Russes et euh, euh, pas forcément être dans une traduction très euh, très fidèle au texte d'origine, ça s'est aussi produit beaucoup pour le français par exemple. Euh, mais alors dans les années 90, est ce qu'on a corrigé les traductions de Bergson par exemple ou bien de Schopenhauer, de Nietzsche. Euh, je sais qu'il y a eu euh, bon euh, tout ce cette problématique des éditions un peu pirates, euh, euh, des ré rééditions. Mais bon, est-ce que vous avez Vu ça, euh, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que au début, la traduction était euh, un peu. Euh, donc, il n'y a pas spécialement eu de relecture de ces traductions ou de même de, 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 de suivi. Parce que c'était tellement massif, c'était tellement présent d'un coup, c'est arrivé vraiment beaucoup, beaucoup trop vite. Et je pense que ce qui s'est passé avec des traductions, comme de, déjà de Nietzsche, même, même si Nietzsche a été traduit avant, la, donc au début du siècle, au début du 20, 19e siècle, enfin 20e siècle, donc um, il y a eu des retraductions et des corrections au fur et à mesure que les livres s'épuisaient et en fait il y a une nouvelle édition qui se mettait, euh, qui se mettait en place et c'est comme ça qu'on a traduit, euh, qu'on a retraduit, euh, bon, il y a des... Euh, aussi, aussi d'ailleurs Bergson mais c'est plus la traduction qui existait avant la Révolution et qui finalement a été reprise dans les années 90 et puis un peu plus tard avec des précisions de termes. En fait la, je pense que la tendance à la, tradu à la traduction scientifique c'était aller euh, dans le... Dans la, donc dans, dans, donc on, on va chercher peut-être le plus de, de précision possible, on va faire du mot à mot quelque part dans les, dans les textes, en tout cas en sciences humaines, pour pouvoir retrouver l'équivalent absolument sûr, absolument fidèle à l'original, ce qui a donné peut-être finalement un peu des euh, problèmes sur le, du, du, du côté du style de la traduction, ou de ça, de, de, de de, hum, aussi du... De, on se posait la question, est-ce que c'était suffisamment russe Ou la traduction de quelques mots de néologisme, par exemple, il y a aussi beaucoup de néologisme par rapport, par exemple, à la philosophie française contemporaine, mmh. et on ne savait pas où sont les limites. De ce, de, cette, de ce travail avec le langage ce qu donc il avait... y, y a eu des débats sur cette il question du débats. néologisme oui et, euh, et donc je pense que la tendance était quand même de, de commenter les tradu des traductions euh, de donner des, des mots évidemment entre parenthèses, on donnait des termes des, euh, originaux et euh, on, on accompagnait de beaucoup de commentaires donc pour que ça soit pour que ça soit visible l'effort qu'on fait aussi de comprendre d'en rentrer dans la langue d'origine et je pense que c'est comme ça aussi que le français par exemple ou la pensée française contemporaine est, est devenu beaucoup plus présent et peut-être beaucoup avec beaucoup plus de rayonnement euh, qu'avant. Donc la nécessité de lire le français aussi pour comparer les textes traduits avec l'original français ou débattre aussi de la qualité de ces traductions a été aussi décisif euh, pour cette époque-là. C'est-à-dire que la, la présence de la, de la France, par, de la, du français, par la philosophie française, par exemple, je pense que ça a beaucoup aussi fait, ça a aussi amélioré la, la recherche en philosophie. Oui, il y a une question, une remarque Euh, oui, merci beaucoup pour vos, vos discussions très riches, euh, très euh, euh, qui donnent un bon aperçu du, euh, des euh, motivations intellectuelles qui ont, je pense, euh, sont à l'origine du livre. Et une question, moi, sur les, une question sur donc vous, vous parlez de de, de concepts migrants, migrateurs, d'espaces de, de circulation de ces concepts. Quid des, des passeurs de, voilà, de, de celles et ceux qui font, qui font migrer ces concepts, qui les déplacent d'un espace à l'autre Ce sont qui Traducteurs, éditeurs, artistes eux-mêmes, écrivains euh, voilà, et qu en, en, quelle conscience ils ont des de, 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 des difficultés de transporter euh, les mondes sensibles qui sont associés aux concepts, euh, voilà, ce euh, soit celui d'aristocratie ou les autres que vous avez évoqués. Euh, voilà comment comment eux envisagent euh, la transposition d'un d'un concept, d'un terme euh, dans d'une d'un espace culturel à l'autre. <laughs> Merci. Il euh, n'y a pas spécialement question de passeur dans ce, dans ce livre. Je pense que ça aurait été un peu peut-être orienté différemment pour poser cette question de façon frontale. Comment parler de ces personnes effectivement de ces éditeurs, par exemple des éditeurs bien sûr avant tout, s'il s'agit des textes, euh, mais aussi les, les artistes eux-mêmes qui lisaient, euh, qui, qui traduisaient, qui lisaient en fait euh, le français ou l'allemand, donc il n'y avait pas de, de problème avec leur accès aux, aux textes originaux. Euh, et je pense que c est, c est, c est, ce sont des personnes, des personnages qui... qui de, de, de qui font migrer les concepts qui restent beaucoup trop dans l'ombre euh, donc je pense que ici à part peut-être quelques articles sur Nietzsche et sur la traduction de Nietzsche et sur des erreurs qu'on fait dans la traduction effectivement de Nietzsche en russe et qui permet de, de, de finalement de mettre à profit cette mauvaise traduction aussi parce que ça c'est aussi le, le cas de, de mauvaises traductions quand ils, ils sont appropriés par les artistes ou, ou quand on lit même des mauvaises traductions tradu 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 de Schopenhauer ou de Nietzsche en fait on y trouve quand même quelque chose hein. c'est pas c'est pas un obstacle <laughs> Pour pouvoir travailler, parce que euh, donc euh, quand, quand on a fait des traductions, par exemple, de personnes, euh, on, a, on a effectivement, bon, il y avait plusieurs traductions, mais euh, il y avait cette idée de, de transposition de, du mot durée à quelque part raté pour donner une autre, une autre. Euh, euh, bah, une autre sensibilité temporelle qui qui en fait était rattachée à ce concept de durée berçonnien euh, parce que euh, la lumière russe n'a pas du tout cet aspect euh, de, euh, de, de, de de, enfin, je de dureté, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui, en russe, qui commence à être fluide. Et donc, cette flu fluidité, cette fluidité qui est, y a, y a, chez Bergson il y a quelque chose de résistance dans le concept, dans son usage, c'est-à-dire qui permet que le temps soit dynamique, qui, qui, que le temps se transforme et qu'il y a des changements qui, qui, se, qui, qui se produisent dans le, dans, dans le temps, que le temps soit voilà, quelque chose de... Hmm, D'assez dynamique, alors qu'en russe, le mot de l'itilnost, qui est un mot qui, euh, qui est à la fois, euh, bon, qui est l'équivalent, équivalent, bon, plus ou moins, euh, du mot, du mot, du mot, de, dans son usage habituel du mot euh, russe, du mot français, pardon, Et il y a quelque chose de fluidité, euh, fluidité indéfinie, qui a été utilisé par exemple par les avant-gardes russes. Euh, comme Daniel Harms par exemple, qui en a fait complètement autre chose. Donc pour lui, la, la durée bergsonienne est absolument euh, quelque chose de qui n'a pas de forme, qui est euh, qui n'a pas qui n'a pas de limite et qui s'étend un peu partout et donc qui en fait quelque chose de statique. Et donc en fait, elle a interprété la, la durée bergsonienne. Je sais pas, on peut dire que c'est sa propre interprétation, que ça passe pas par par spécialement par la traduction, mais je pense que dans la traduction, si on essaie d'interpréter ce geste, pourquoi la durée devient quelque chose de statique alors que chez Bergson c'était pas du tout le cas et pourquoi elle utilise cette, cette durée comme une sorte de passivité euh voilà, des, des, un peu de fluidité, un peu opaque, un peu, un peu stabilisé. Pourquoi D'où ça vient dans cet imaginaire Donc, euh, donc voilà. Mais euh, sur la question des passeurs, c'est vrai qu'il n'y a pas, euh, euh, on a, y a pas spécialement de texte qui parle vraiment des traductions, euh, qui, qui qui se focalise sur la traduction en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la traduction Donc, cette migration a été plutôt euh, Interprété, ou en tout cas vu, comme si les artistes ou les écrivains étaient, euh, bah, des destinataires, euh, enfin, qui, qui percevaient directement, en fait, quelque chose de cette, de cette tendance européenne dans la réflexion, dans la façon de travailler avec les concepts, sans passer par d'autres euh, chaînes de transmission, mais par d'autres, voilà. Euh, donc en fait c'est un peu ce, ce, ce mouvement est peut-être plus immédiat donc de, de contact entre les deux cultures, plus immédiat que voilà relayé par quelqu'un d'autre en plus. Mais bon ça c'est aussi évidemment une piste à creuser. Alors moi je me pose la question si les artistes sont de bons capteurs de la philosophie. Moi, je ne les vois pas dans ma tête comme des gens cérébraux qui se penchent sur des concepts. Je les vois dans ma tête comme des gens épulsifs et qui euh, crachent quelque chose du fond d'eux-mêmes. Et donc, euh, je suis un peu sceptique sur l'idée de la réception de concepts philosophiques par des créateurs. Alors, il se trouve que cet après-midi même, je lisais à propos de, de la Bulgarie, puisque je ne suis pas sur le monde russe. Un type qui écrit à propos de Bernanos, et je suis tout content de penser que tout d'un coup on connaît Bernanos en Bulgarie, sauf qu'il le range parmi les existentialistes. Alors là, ça me tombe un peu des mains. C'est un artiste. Si je euh, oui, bah, euh, c'est-à-dire que les artistes, euh, effectivement, il y a des artistes qui écrivent aussi sur leur, euh, qui, qui produisent des théories d'art. Donc ça c'est, ça c'est plus facile parce que quand on a euh, des artistes abstraits euh, qui réfléchissent beaucoup sur ce qu'ils font, euh, ils font partie de ceux qui sont plutôt réceptifs à la conceptualité, euh, peut-être peut pas philosophique, mais en tout cas ils sont suffisamment, euh, suffisamment théoriques pour pouvoir euh, euh, adopter des démarches qui nous font penser effectivement la plus à la, à la philosophie donc ça il n'y a peut-être pas de et effectivement c'est le cas avec Kandinsky ou Malevich c'est des même philosophes c'est ceux qui donc réfléchissent sur leurs démarches euh, si on parle de Vroubel, c'est vraiment très beaucoup plus compliqué parce que effectivement comment est-ce que dans quelle mesure on peut dire que il y a une autre chose que la que la que les objectifs qu'il poursuit en tant qu'artiste, ce qu'il veut, donc voilà, qu'est-ce qu'il qu est qui, qu est qu veut, euh, est-ce qu'il réfléchit effectivement de, sur ce qu'il fait Il euh, n'y a pas de... Vraiment de traces de cette réflexion, euh, bon, euh, à part quelques lettres peut-être de, de Vrobel, mais je ne saurais pas mieux dire que Rosina qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Euh, mais effectivement, ici, euh, peut-être le contact avec la philosophie est un peu plus euh, compliqué. Mais comme je disais dit tout à l'heure, il me semble que c'est plus la façon de s'approprier peut-être quelque chose qui euh, qu partage avec le, avec le, avec la, les, la philosophie ou les pensées philosophiques de l'époque. Donc c'est la façon de se rapporter à quelque chose qui se discute et finalement cette séparation, la, la façon de par exemple euh, la chose en soi a été une sorte de euh, de philosophème si je peux dire pour, les, pour, pour beaucoup d'artistes et beaucoup d'écrivains et qui évidemment que ça vient de Kant et finalement effectivement ce qui les intéresse c'est pas du tout le kantisme ou la philosophie de Kant mais ce qui les intéresse c'est l'irréprésentable en tant que tel donc non mais Ah, ben, bah on ne peut pas le transmettre, évidemment, dans, le, dans une œuvre trans. Dans, dans, mais comme, comme exactement la, ce qu les, les reproches qu'on adresse aussi aux, aux, aux artistes abstraits, c'est-à-dire qu'on leur dit, mais est que, est que, comment est-ce qu'on peut parler de ce que vous représentez, finalement Parce que ce n'est pas de l'ordre de, de, de figuratif. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut là-dessus, on peut adhérer, on peut, ne, on peut juste ne pas adhérer, parce qu'on n'a pas, pas envie de ne pas avoir de traces avec le monde sensible par exemple ou si on a des traces quelque chose qui nous relie au, au, au monde sensible ce sont des couleurs et des formes et c'est tout donc il n'y a pas d'objet représenté donc finalement ça on peut l'adresser aussi euh, euh, donc c'est quelque chose euh, euh, c'est une question à laquelle peut-être euh, les artistes pourront pas répondre et euh, mais en même temps, on sait que, par exemple, chez Vroubel, il y avait cette préoccupation, euh, tout simplement, donc un peu à la fois mystique, à la fois symboliste, de quelque chose, voilà, que l'art la, que, que n'est pas euh, n'est pas là pour pour travailler avec la matière visible, avec le monde autour de nous, parce qu'il s'est un peu épuisé cette, 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 cette fonctionnalisme dans l'art. Donc l'art, quand l'art sert à quelque chose, que finalement euh, il faut complètement se euh, s'arrache un, un, peu, un peu donc voilà essayer d'évacuer cette idée et puis euh, que l'art doit avoir ses propres objectifs et donc c'est ça que c'est là où on commence à poser les questions en fait <laughs> Bon, sans doute, on peut pas répondre en général à ce genre de questions euh, qui doit s'examiner, enfin, sur des des, des, voilà, des cas particuliers, des artistes. Des... Mais ce qui est sûr, c'est que les, la, la philosophie nourrit euh, voilà, toute la réflexion de de ces de, de ces euh, de ces artistes et et peut-être plus dans certains contextes, comme celui qu'on a vu, que dans d'autres, euh, et qu'on peut euh, retracer euh, différents niveaux en fait, de, de passage hein, entre euh, représentation, forme sensible et, euh, et concept, même s'il peut y avoir trahison ou bien euh, total... Euh, Finalement, interprétation, mais ça nourrit en fait le travail artistique. Mais encore une fois, dans le livre, il est bien question de passage dans plusieurs sens, y compris euh, de réflexion euh, à travers la littérature. Bon, je pense qu'on peut peut-être euh, s'arrêter là. Merci beaucoup, euh, Julia. Merci euh, à vous. Euh, et puis, euh, merci à la Bulac pour l'organisation du, du débat. Il y a euh, certains ouvrages hein, qui sont ici euh, en vente. Euh, merci Stéphanie Sirac, euh, l'éditrice de Eurorbem. Et donc, euh, ben, à bientôt pour la prochaine édition de, du cycle.